Yosh les moches. Et les beaux aussi, hein. Pas de discrimination ici. Est-ce qu'on ferait pas la facette du temple miroir? Excellente cette... cette musique est énorme. Oh, elle est énorme la musique. Donc le temple miroir, qui m'avait donné beaucoup de fil à retordre. Énormément de fil à retordre. Je sais pas pourquoi j'ai... fallait essayer. Qui m'avait donné énormément de fil à retordre sur la face... sur la phase précédente. Sur la phase B, il me semble, il y avait un... Il y avait un petit niveau où il fallait juste rien de... Juste descendre. Et il y avait des pics partout. Et mon dieu, qu'est-ce que j'ai galéré avec ces pics de partout. Bon, ça a l'air pas très compliqué pour l'instant. J'espère que c'est pas un avant-goût de ce qui va suivre. Alors, je voulais voir si c'était possible de sauter direct. Mais allez, ne cherchons pas l'embrouille. Faisons le jeu de maths. C'est vraiment ce qu'on disait sur je sais plus quel niveau. Mais c'est vraiment là, on est vraiment sur du... Il y a un moyen de passer, quoi. Il y a un parcours, il faut le suivre. Et encore, pas vraiment, parce que là, je peux faire un ledge jump si je le souhaite. Ou rester accroché. Ok. Ce qu'on va faire, ça c'était de la folie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de sauter à chaque fois avant de toucher le plafond. Oh, si je galère autant au premier écran, mais qu'est-ce que ça va être pour le troisième écran? Suite là, franchement. Non. Hop. Alors, d'après vous, il vaut mieux que j'attende que les blocs s'arrêtent ou que je profite du momentum? J'ai l'impression qu'avec le momentum, je me prends le plafond, en fait. Je pense que c'est plus simple, là, de descendre un peu sur le bloc. T'as d'ailleurs un problème. Point, 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 point. Moi, il n'y a pas de souci, hein, je veux bien, mais... j'ai pas tout compris. Hein. Oh, ce momentum jump. Ce momentum ledge jump 3.0. From the def. Je peux pas tracer. Traçons. Traçons si on peut. D'accord, c'est... C'est clairement ça, quoi. Mais là, je peux pas passer... Non, je peux pas. Je sais pas qui me la demande. C'était une mauvaise idée. Si on pouvait le ban à vie. On y était, là, hein. On ne dirait pas, mais on y était. Ça va être au poil de fesse non-stop jusqu'à la fin. En tout cas, je suis très content. Voilà, petite musique jazz. Excellente. Je sais pas qui l'a faite, mais franchement, j'ai réécouté ce qu'il fait. Waouh, on a tous vu l'animation, j'étais accroché. Oh, eh, franchement, c'est dur. Je suis pas concentré, je suis pas dans les meilleures... Je suis pas dans les meilleures conditions pour faire ça. Du coup, je prends mon temps. Sauf là, là je trace. Trop bas, trop bas, trop bas. Pourquoi je me casse le face alors que je peux, voilà,
tracer comme ça. Vous savez quoi? On va tracer. C'est plus simple. Moins de piège. Est-ce qu'il faut que je m'accroche ou qu'un wall jump suffit? Un wall jump. Quand tu sautes sur la baleine. Bon, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a vraiment. Il y a vraiment aucun moyen là à la fin que je passe autrement. Putain, ils ont pas de vie ces cristaux de ce matin. Pas faire autre chose de plus intéressant. Oh, et à la fin, est-ce que... Ouais, non, je voulais voir si je pouvais passer par en dessous. Jusqu'au bord, mais évidemment. Le temps de la triche est révolu. Et donc, il se pourrait que je finisse pas sur cet enregistrement, hein, celui-là. Ce qui est quand même bien complexe. Après, je vais pas vous mentir, et je savais qu'il a... Il ne peut pas non plus être simple celui-ci, au vu du dernier qui était... Je suis mort très souvent. Oh. Ça m'étonnerait que ce soit du pixel perfect quand même, mais... Est-ce que j'ai pas la bonne strat? Parce que moi, le momentum, il n'y a pas de souci, je le fais. J'ai pas l'impression que ça soit la solution de mon problème. Oh, les crampes de doigts que je vais avoir demain. Non, j'ai hésité. J'ai voulu me raccrocher. Je veux m'accrocher haut sur le cube. Je sais pas trop quoi raconter de rigolo parce que là c'est pas très rigolo ce qui se passe. Si je m'accroche bas, il faut juste que je pose en fait. Voilà, hop. Quel est cet instrument? Est-ce que c'est un saxophone? Le saxophone m'a tué. Ça ressemble... Ça, vous savez à quoi ça ressemble beaucoup? Ça ressemble à R. Donc c'est sûrement du synthé. Est-ce que je peux retarder mon dash? Vous savez ce qui est triste? C'est que je vais être content d'arriver au bout. Et qu'après je vais voir le... Ah, on se rapproche, on se rapproche. Et après je vais voir l'écran suivant et je vais faire... What the fuck? C'est très coquin quand même ce niveau, hein. C'est plein de coquineries. Que je vais faire, je vais tout le temps laisser appuyer sur flèche du haut comme ça, même si je reste accroché une frame, et ben je vais montrer d'un pixel. Et vu le timing de la fin, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un pixel de plus. On en est là. L'autre question, c'est est-ce qu'on peut... Enfin,
je revois le début de cet épisode pour avoir la réponse, j'imagine. Mais est-ce qu'on peut s'accrocher directement, sauter direct à droite, là? Oh là 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 là, je n'y arrive plus, je n'y arrive plus. Nous avons perdu la concentration. J'ai cru. Ah, j'adore. Moi j'attends que Céleste elle fasse bon, bah vas-y on fait demi-tour. Je fasse 1000 morts et qu'il y ait un texte secret. Et qu'elle fasse... Un peu comme dans Croc hein, d'ailleurs. Il y a un truc qui voudrait dire bon, bah vas-y on fait demi-tour. Par contre là ce que je viens de faire, c'est intéressant parce que... Ça m'apprend que... Que je dois vraiment pas sauter haut à la fin. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'y suis pas allé? Je suis fatigué. Je vais faire des cauchemars avec des pics rouges. Toum, 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 toum. Bah quand le double dash? Vous voyez, je me suis refoiré. Quelle tristesse. Mais un pouce rouge si t'es triste. Je me disais c'est bizarre que je sois passé. Mais j'ai pas chopé le cristal du coup. Non mais... Ah, j'étais... Petit souris, j'étais... De toute façon, c'est, voilà, c'est une question de... Ouais, je teste un truc, là. Ouais, j'ai un petit momentum si je lâche comme ça. Je ne sais que penser de tout ceci. C'est ouf, j'arrête pas de me dire qu'il y a sûrement un autre moyen de passer, parce que ça me paraît difficile, mais peut-être que c'est juste difficile en fait. Vous avez vu, je me suis accroché dans le vide pendant un instant. Ah, si près du but. C'est terrible parce que le dernier saut, je pense qu'il est pas compliqué du tout. Par contre, ce qui est extrêmement compliqué, c'est de toucher cette plateforme là et avoir le réflexe de pas sauter hyper haut comme un abruti. C'est trop bien un jeu comme ça où t'as un pouvoir, c'est que tu peux enlever juste un petit élément, un élément du design. Et j'enlèverai bien le dernier pic là-bas. Mais bon, c'est très simple du coup. Trop simple. C'est le premier... Titi, c'est seulement le premier tableau. Il y en a trois. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Il y a les boules rouges. Il y a les dashs, il y a les dashs avec du momentum. Les sauts avec du momentum. D'autant plus vicieux que je peux pas prendre d'avance dans le pattern du truc en fait. Ça se reset à chaque saut. Là je peux prendre de la hauteur, mais ça revient au même en fait. Et c'est très curieux parce que là, ce saut j'y arrive tranquille. Enfin, sur le principe, les deux premiers, je les passe.
Et genre le troisième j'arrive pas, pourquoi? Qu'est-ce qui change au troisième? La pression? Enfin le fait qu'il n'y a pas de boule, ok, mais je peux très bien sauter, m'accrocher, re-sauter. Oh, tu passes à la centaine de morts j'imagine là déjà. On dirait que je l'ai mort, que je les farm les morts quoi. Et où est mon saxo sympathique hein? Je vous prie. Putain, j'aimerais tellement faire le niveau précédent, il était tellement plus simple. Eh, y avait pas une astuce là? De type si je fais demi-tour effectivement je peux dasher plus tôt et je peux sauter peut-être les deux. Ce que je peux faire éventuellement c'est faire ça sans le petit skip là. Trop bas, je me suis accroché trop bas. C'est terrible parce que ce passage c'est plein de petites épreuves de validation en fait. Pourquoi ça passe sauter? On a même entendu la petite patte de Céleste qui a fait pfft. De Madeleine, pas de Céleste. Si, franchement, si y a un... S'il y a un Rickroll à la fin de la montagne, ça me rend très triste. C'est très dur, c'est très dur. J'ai l'impression d'être trop haut à la fin. Ouf ça. Oh. On va s'entraîner là sur les premiers parce que sinon je pourrais jamais passer le reste. C'est pas grave si on fait 40 000 morts. Faut juste s'entraîner à faire ce petit wall jump. Ouais, ouais, ok, il y en avait un. Faut être très haut en fait. Ok, faut que je sois à hauteur maximale. Allez, on y va, on le fait. Trop loin, oh là là. Eh mais le jeu me dit d'avancer, j'avance. Ah oui. Oui, regarde-toi dans la glace. Ok. Ok, ça a l'air easy as fuck, c'est un ledge jump du danger. C'est tout? Putain, non, c'est 40 minutes sur le premier et 10 secondes sur l'autre. Vous savez ce que j'ai fait? Rien regarder. Donc on va reprendre dans l'ordre, car là, ça va être important l'observation. Je saute. Je dois faire un ledge jump sur ce truc. Sauter, ensuite dash en haut à gauche, on va en bas à droite. Ledge jump et je m'accroche là-haut. Oh là là, ça va être dur. Aïe. En plus, les timings ils sont durs sur ce truc. Eh, j'ai réussi. C'est peut-être possible alors. Ah, c'est grisant tous ces petits progrès au fur et à mesure.
je déconne, c'est chiant. Qui a laissé des bulles de soda comme ça, hein? On y était complètement. Ce jeu triche complètement. Le déni. Peut-être une diagonale, ça aurait été plus arrangeant. Ouh, c'était permissif ça. Attends, il y a un bloc en bas. Il y a un gentil bloc en bas. Il me sert à quoi? Comment il me sert ce bloc? Non, on l'ignore. Il fallait que je saute loin. Oh! Stylé, non? Il y avait un début quelque chose. J'ai cru qu'on y était. Direct, comme ça. En tout cas, j'ai trouvé que la première partie était beaucoup plus dure que tout ce qui se passe pour l'instant là. Il y a celui-là, je sais, je le prends mal, je sais, je devrais faire profiter du momentum, du bloc qui remonte. Mais chacun son style, chacun sa route. Voilà, je l'ai fait, c'est pour vous. Oui, 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 oui. Là aussi, c'est ça, vous voulez faire deux momentum? Bien pour vous, mes femmes. Mes femmes qui ne me donnent pas d'argent. Ouf. Merci, les femmes, super, bravo. Allez, moi je pars sur un 250 morts. 250 morts, les paris sont ouverts. Ça me trouble, cette technique. Arrêtez avec cette technique, ça ne va pas. J'ai pas fait des ledge jump de taré juste avant pour... pour changer de technique ici. Je l'ai vu que j'étais pas assez loin, mais j'ai pas réagi. Je fermais les yeux, je me suis dit allez, peut-être que ça passe. Aïe. Quelle est ma moyenne de mort par... Quel est le temps moyen entre deux morts, quoi? Je déteste cette technique. Vous savez pourquoi j'avance pas? Parce que j'arrive pas à me décider sur quelle technique utiliser à ce moment-là. Je sais qu'il y a une technique qui est plus... moins compliquée. Mais honnêtement... Oh! Je suis passé comme ça. Et momentum. Allez, on a déjà réussi à tricher, on peut le refaire. Putain, elle est restée accrochée 40 000 ans là, c'est Madeleine. Il me sert ce bloc en bas. C'est de la déco? C'est un piège? C'est pour que je me dise, regarde, tu pourrais faire un wall jump ici? Ça pourrait être le chemin normal? Sera me dit la prochaine fois tu mettras des gants. Je vais te mettre tes mains dans les pieux. J'oublie qu'on était passé crème ici la dernière fois, mais c'est quand même compliqué.
Pas le réflexe, pas le réflexe. Aïe. Mercurochrome, le pansement des enfants. Allez, on speedrun. Moins on réfléchit, plus on laisse parler les réflexes. C'est vraiment con ce que je dis. Par quel miracle est-ce que je suis passé? Tu sais ce qu'on devrait faire? Me jeter un coup d'œil dans les jumelles pour voir ce qui se passe après quand même. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait jeter un coup d'œil. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Donc en haut à droite, en haut. On se décale à droite, en haut à droite. À droite, en haut. On se décale en haut à droite. Fini. Merde. Pardon, je veux dire, excusez-moi les enfants. Je voudrais pas perdre mon public le plus jeune. Ne dites pas de gros mots. Dédicace à un certain collègue de bureau qui... C'est pas qu'il tolère pas les gros mots, mais c'est qu'il préférait qu'il n'y en ait pas. Ce qui me paraît relativement raisonnable comme demande. Bon, j'admets que cette technique est mieux. Regardez, on n'a pas mis de puits en bas parce que peut-être qu'on peut passer par en bas, mais non en fait. Oh, just do it. Ah, attention. Non, j'étais ultra. J'ai cru que j'allais me cogner la tête. En fait, plein de fois, je me dis, ah, j'ai dû rater. Je comprends pas comment le faire celui-ci. Des fois ça passe, des fois ça coince. Plein de fois, je me dis, ah, j'ai raté et j'arrête. Alors je devrais aveuglément continuer le pattern de touche que je dois faire pour passer en fait. Quitte à reconnecter mon cerveau juste derrière. J'ai mal à la tête. Petit upload de la vidéo de 40 gigas, hein. Seulement 45 heures de vidéo. Allez, do your magic. Ouah, c'était très chaud. Ça aussi. Pas très legit. Il était clean ce momentum ledge jump. Aïe. Faire quand même vraiment ce jeu à I Wanna Be The Guy quoi. Je crois que c'est un bon platformer difficile alors qu'I Wanna Be The Guy par exemple c'est juste un rage game quoi. Même s'il y a des similarités de type le gameplay par exemple qui est pas le gameplay pardon mais genre les mécaniques avancées voilà, genre. Tu peux sauter, mais regarde tout ce que tu peux faire avec les sauts, beaucoup de choses. Là c'est pareil quoi. Tu peux sauter mais tu peux faire ça, tu peux dasher mais tu peux faire ça, il y a du momentum mais tu peux utiliser les contrées. Tu peux jouer avec toi contre toi, faire des ledge jumps, faire des sauts en distance.
Idem, j'ai cru que ça passait pas, donc je n'ai pas sauté. Et je suis mort. C'était long shot celui-là. Juste passage là et après. Après ce sera plus que de la gestion de stress. Et juste du focus mental. Every goddamn time. Et il est très difficile parce que je peux pas le rattraper. Je sais pas combien de frames sont possibles, peut-être 2. Je pense qu'il y a une frame où je me cogne sur le bloc, une frame, deux frames qui passent. Et une frame où je suis trop loin. Ouais, ça doit être deux frames, parce que si c'est du pixel perfect, j'y arriverai pas autant, je pense. Eh bien, j'y arriverai deux fois moins, probablement. Je vous dis pas l'horreur. Dur à timer à cause de la du petit temps qui se passe dans la boule avant que ça démarre. Qui est bien que fixe, assez complexe à enregistrer et à ressentir. C'était une vraie déception, ce petit cri, ce petit souffle. Ce soupir de désespoir. Mais ne vous méprenez pas. Derrière cette déception se cache en fait un espoir naissant, parce que là on y était. Nous y étions, et nous allons y retourner. Speedrun de ça, mais... j'ai attendu un peu trop longtemps car la fois d'avant je m'étais mangé les pics au-dessus sans m'accrocher. Oh non! Non. C'est assez intéressant de mettre les inputs de la manette en display, en overlay là sur l'écran. Ouais, à quel point j'appuie sur toutes les touches en même temps. Allez, on l'a fait legit. Pas d'embrouille, pas de mauvaise blague. Ah bah y'a le saxo. Le synthé saxo. Je vois pas pourquoi, on n'y arriverait plus. J'ai cru que ça passait pas. Si ma théorie des deux frames est bien juste en tout cas, là je suis clairement passé à la deuxième. Incroyable, il fait le ledge jump, attention, il saute, c'est le dash, attention, le saut ici, c'est le dash à nouveau, un peu court, mais ça passe, il saute, ah, attention, le moment difficile, oh là là, ok, on se calme. Incroyable action. Je suis déçu de moi-même. Laisse-moi monter. C'est très rigolo le mot. J'ai peur.
Au moment où tu apprends le ledge jump. Le ledge jump. Que t'as le corbeau qui dit ça genre juste à la fin et t'es là. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Et t'essaies juste d'appuyer sur tous les boutons pour passer que ça marche pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Il y a sûrement des mecs qui l'ont fini en une seule vie, en demi. Deux secondes. En 40 secondes. Cours. Ok. Allez. Oh, j'ai cru que ça passait là. Ça fait longtemps que je m'étais pas pris le plafond. Ouf! Allez, 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 allez. J'étais si près du but. Je pouvais voir le cœur d'or battre. J'ai failli le dasher. Mais mes rêves se sont brisés sur les pieux en acier. Et j'ai dû recommencer. Et jamais je n'abandonnerai. Car je suis un geek. C'est pas tant ça, la vraie raison c'est plus comment ne pas faire honneur à ce jeu quoi. Faire honneur à ce jeu, il est tellement bien. Il sent tellement bon. Ah. J'ai appuyé, mais un peu tard peut-être. Ouh, la fatigue, la fatigue. Faut que je m'éloigne de l'écran. À chaque fois celui-ci. Peut-être à 400 morts là, un truc comme ça. 350. C'est dur, hein? C'est très dur. J'arrive plus du tout. Non, on était si près du but. I won't give up now! Pas pendant le piano! Ni pendant le saxo! Aeras, tu joues à Slay the Spire? C'est pas un jeu en bêta ça? C'est pas un roguelike tour par tour? Je jure, il est douloureux ce passage. C'est la reine de la terreur, ça genre je le vois, je fais ah non, je sais que je vais perdre. J'ai dashé mais tellement trop tard. Enfin, pas tellement trop tard, mais trop tard tout court en tout cas. Oh, Céleste. Je sais que tu l'as déjà fait, tu peux le faire. Bitch. Est-ce que je t'ai pas appelé Madeline, c'est ça?
terrible ce dash vers le bas, parce que si on le fait trop tôt, il faut pas tourner trop vite. Si on le fait trop tard, on peut plus tourner. Puis on dirait que c'est pas si compliqué, mais en vrai, rien que ce premier saut, il faut faire très attention. Attention, attention, quand est-ce que le plaisir de réussir un niveau difficile devient une frustration intense? En vrai, pour l'instant, ça va, mais... Je commence à avoir peur. Est-ce que je vais pas me dire à un moment... En prenant le cœur, est-ce que je vais pas me dire, est-ce que ça valait le coup? C'est passé. Des raisons qui honnêtement m'échappent. Peut-être un pixel perfect avec... faut sauter vers le haut et se décaler immédiatement sur le côté. Et c'est le silence qui s'abat. Heureusement que c'est une musique cool, hein, parce que... Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est comme une musique relou, j'aurais pas pu. Je me demande si celui-là, dessus, il est pas... Est-ce qu'il serait pas pixel perfect, justement? Parce que des fois, là, ça passe, mais on voit clairement que je me fais décaler. Et à chaque fois, je saute, hein, mais... Pas de ledge jump. Six petits bras, Madeline. Ouh, on se casse. Et voilà, first try, on va tenter, hein, first try. Ouais, let's jump, ok, là, okay, on va passer derrière. Sauter, hop là, ouais, sauter, hop. Ouh, let's jump dans l'autre sens. Who am I fooling? Au doigt. Pour ça, mes doigts ne sont plus assez alimentés en sang et du coup, j'arrive plus à faire le bon timing. Non, des fois, ça passe. Crème. Ah, vous avez bien fait de mettre des yeux ici pour witness this success. Oh, allez, on meurt, on le refait, on meurt. Oh là là. Bon, bah allons-y. Hein. Putain. 21-30, c'était dur, celui-là était très dur. Je suis fatigué. Je vais me coucher serein. C'est marrant, sachant que j'ai réussi à faire ça. Serein de savoir qu'il reste encore des niveaux encore plus durs derrière. Oui, oui. Oh 347 morts. Pour vous expliquer, hein. La dernière fois, le chapitre d'avant, c'était moins de 100 morts. Réflexion, il va être dur, mais il me fait pas si peur. Le sommeil va être monstrueux. Et le cœur, je sais pas, il me fait pas si peur non plus. Ah, j'ai envie de voir ce que c'est. Mais on verra ça la prochaine fois. Bisous, bisous.